plus que de peinture. Je vais chercher pour une heure ma. Je salis d'abord. Quand tu débutes ta toile, ah, quand tu débutes ta toile, quand je débute, oui. Oui. Tu as une idée prééquipée existe à... J'ai une idée, oui. Puis le problème, c'est que ça change en cours de route. J'ai une idée des couleurs, des formes, des... C'est assez abstrait, mais... Et puis, suivant ce que je fais... au début, le résultat n'est jamais... la fin n'est jamais comme le début. En fait, c'est peut-être parce que je sais pas le faire. Bon, là, c'est à peu près comme au début. Mais cette toile, elle a encore 6 mois de peinture dedans. Hein. Tant que ça sèche, que je reprenne, que... C'est de l'huile, alors c'est très long à sécher. Après, il faut que je reprenne parce que ça sèche mal. C'est, puis c'est pas ce que je veux. Alors voilà. Voilà. Je vais l'arrêter parce que elle est engorgée de peinture. Tu travailles sur plusieurs toiles à la fois, là? Oui. Ben oui. Tu vois, j'ai tout ça. Je travaille. Enfin, j'ai commencé. Voilà, je vais commencer là, là. Je peux en prendre une autre. Là, là, je peux plus, tu vois, parce que c'est plein de... Si j'y retouche, après, c'est... Il faut attendre que ça sèche au moins 8 jours. Alors, je vais l'ôter. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Tu vois la différence entre une toile finie. C'est pour ça que je mets toujours au mur une toile à peu près finie pour faire avancer celle-là. En cours de travail, là, tu as tourné la toile. Pour voir si c'est dans tous les sens, si c'est équilibré. On voit. Tu vois, ça, c'est peut-être cette partie-là, peut-être pas très bonne. Laquelle ? Ça. Tout ça, pourquoi ça, ça devrait peut-être pas... Voilà, à peu près équilibré.
Oh, bah non, il faut que je la peigne. Celle-là est en cours, mais elle est encore est pas sèche. Je ne vais pas trop la peindre. Celle-là non plus. Par contre, celle-là est à peine ébauchée, je peux la peindre. Celle-là ou celle-là, je ne sais pas laquelle je fais, tu vois. Ça, c'est à peine. Ça, c'est vraiment le premier jet. Pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que celle que tu viens de peindre, là, c'était quand même pas tout à fait le premier jet. Si, deuxième, second. Je l'ai peinte, je l'ai commencé il y a 8 jours, et puis. Tu vois, j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai pris du rouge, je sais pas où. Est-ce qu'elle est sèche? Tu vois, celle-là, je la sors pour voir si elle est finie ou pas. Au bout d'un moment. En principe, elle est finie, mais comme je ne l'ai pas vue depuis quelque temps, quelquefois les noirs ne sèchent pas bien. Je sais pas. C'est dur. Qu'est-ce qui te fait dire vraiment qu'elle est finie, cette toile? Comment? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est finie ou pas finie, la toile? Ah. C'est que j'ai plus envie de la peindre. Ou de temps en temps, je reprends un petit truc, mais. Lorsque si je la peins, je la démolis, alors ça ne sert à rien. Une toile, c'est jamais fini, hein, une toile. Je pourrais la peindre indéfiniment en grattant, recommencer, mais bon. Tu vois, je vois par rapport à celle-là, qui va être. Que tu verras à l'expo. Celle-là, je ne les mets pas ensemble parce qu'elles sont un petit peu. C'est mieux de les voir différemment, autrement, c'est très fatigant de voir des toiles. Tu vois, celle-là, bah, je l'ai finie aussi. Quand je les sors, je le vois. Il faut qu'elle sèche. Tu vois, celle-là est sèche. Je sais que le rouge ne bougera plus, même s'il bouge, il sera beaucoup mieux. Autrement, on a des surprises. Hier, j'ai ôté une toile, j'ai eu une surprise. J'étais obligé de la continuer. Je pensais qu'elle était finie. Là, je sais qu'elle ne bougera pas. Le noir restera noir. Le rouge ne va pas, enfin, en principe, ne va pas bouger. Puis non, j'ai plus envie. Celle-là, c'est vraiment le début. C'est une toile qui sera, peut-être pas, mais qui, au départ, elle est, attention, est gestuelle. Hein. Ça, c'est trop dur. Ah, voilà, celle-là est bien. Non. Voilà, celle-là, petite. Celle-là. Je vais en prendre. Et celle-là. Bon, alors ça m'excite. Je vais commencer avec du blanc. Et après, ça. Moi, ça me paraît un peu étrange que tu arrives à passer d'une toile à l'autre comme ça. Ah ben, mais c'est un peu dans la même veine. Je vais pas faire une. Je peux pas passer de ça à un papier où je ferai un peu où je ferai un dessin. Là, c'est difficile. Une toile à l'autre, c'est gestuel, mais je l'ai dans la tête. J'oublie celle-là, je suis là. Ça sera pas du tout comme ça après. Hein. C'est vraiment le fond. Ça. Et le fond est très important. Thank you.
Comment il se passe beaucoup de temps entre le moment où tu débutes une toile et le moment où tu l'achèves? Est-ce qu'il t'est arrivé de recommencer à zéro après un premier jet? Oui, j'ai des toiles que je décroche et c'est terminé, oui. Par exemple, des toiles, je suis arrivé presque à la fin, j'en ai plein là-bas, je les ôte et c'est des croûtes, c'est ignoble. Il n'y a rien à faire. Quelques années, moi j'avais vu un travail, ton travail était un petit peu plus figuratif, Ouais, il y beaucoup moins a. abstrait, ouais. Qu'est-ce qui s'est C'était une passé? certaine figuration. La figuration, elle est partie. Il y a toujours une certaine figuration. Enfin, là, on pourrait trouver une figuration. Dans le mouvement, il y a des gens qui voient des. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça représente telle ou telle chose. Moi, je ne donne pas de titre, hein. Là, on pourrait penser que c'est une porte ou je sais pas. Enfin, moi, je fais plus de figuration. Et peut-être que je reviendrai à figuration, mais je crois que c'est difficile de revenir en arrière. Et j'aime beaucoup la figuration. Mais je trouve que c'est une aventure de peindre comme ça aussi. Peut-être plus difficile, mais d'accès, mais. Tu partages l'atelier avec Lydia, qui est peintre elle aussi, Félicie Oui, et Vigna. bien on part à des heures un petit peu différentes. Oui, puis on se voit pas. On a vraiment deux ateliers très distincts. Comme j'ai un grand atelier, c'est bien de pouvoir le partager. Mais est-ce qu'au cours de travail, vous revenez voir vos toiles Non, réciproques? non, non. On est vraiment très, très indépendantes. Non, parce que c'est très difficile de. Ou après, dans la semaine, ou je me crois, c'est très difficile. On regarde le travail de l'autre, mais c'est très difficile de juger d'un travail en cours. Parce que là, ça, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette toile, mais tant qu'elle n'est pas finie, non, c'est difficile. Puis elle a quelque chose dans la tête que je ne connais pas. Bon, il y a beaucoup de choses à faire encore là.